Le lendemain, le prince tua l'étranger. C'est vraiment très méchant de sa part. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Mais il a récolté ce qu'il a fait. Parce que l'étranger se comportait comme un homme qui avait la crainte de Dieu. Un mois plus tard, le prince a été touché par une maladie étrange. Est-il mort? Bien sûr, il est mort à cause de cette maladie étrange. C'est bien fait pour lui. Mon petit prince, tant que tu feras du bien dans la vie du roi, tu gagneras toujours beaucoup. Tu dois être le gardien de tes frères. Manifeste de l'amour pour les gens, spécialement les étrangers. Merci aîné, merci beaucoup. Mais tu vois que nous sommes dans ce monde pour apprendre des erreurs des autres. Et comme tu es un très grand prince, tu dois être pacifique avec les gens, avec tout le monde. Je dois partir maintenant. Merci beaucoup pour l'histoire et les conseils. J'ai beaucoup vraiment appris ça. Je t'en prie, mon petit prince. Merci beaucoup. Bonne route. Qui est-ce? C'est le prince de ce royaume, majesté. Il réjouit mon cœur. Si seulement je pouvais écouter beaucoup plus de mélodies. Votre majesté, d'après ce qu'on dit, il semble être un homme humble et simple. Les belles chansons qui sortent de sa bouche sont ses plus proches compagnons. Il a un esprit libre et il est humble. D'accord. Tu as dit qu'il est le prince du royaume. J'espérais qu'il soit entouré de beaucoup de servantes et de gardes. Si effectivement c'est un prince humble, très bientôt, je le saurai. Je n'ai pas besoin de la connaître avant de l'aider. Ton père a dit de revenir. Nana. Ce garçon est vraiment têtu. Est-il un humain? Autre temps de douleur, jeune femme.
siffler, crier, pleurer ne peuvent jamais être des solutions à ton problème. En fait, les douleurs dont vous vous tordez m'affectent. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous être utile? Qui es-tu réellement? Es-tu humaine? Car la beauté que je vois en toi, seule les déesses la possèdent. Mon prince, c'est vrai que tu es un homme gentil et attentionné. Tu as été touché par mes peines. Je ferai de ta détresse la mienne. Quiconque te combat, me combat. Tiens ceci. Et qu'est-ce que cela représente? C'est le signe de l'alliance entre toi et moi. Prends-le, n'aie pas peur. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire pour ton frère? Moi, je sais pas. Oh. Je sais vraiment pas. Je sais pas. C'est pas grave. Mère, quel... je vous salue. Bonjour, prince. Merci d'être venu. Vous m'avez fait appel. Tu as bien dormi? Oui, je t'ai appelé. Oh, pas de chaise pour toi. Ne vous inquiétez pas. En fait, je suis en train de sortir. Donc, vous n'avez qu'à être bref. D'accord, je le serai. Tu sais que lorsqu'un chien est après quelque chose sous la pluie, c'est que cette chose est très importante pour lui. Donc, je t'ai appelé pour te dire qu'il est vraiment temps maintenant que tu te trouves une femme. Mais ça, c'est vrai. Mais... actuellement, je n'ai encore aucune prétendante. Tu sais que tu es mon héritier présomptif. Oui, maman. Et tu seras le prochain roi. Ça, c'est vrai. Tu dois faire quelque chose maintenant. Tu ne peux pas devenir roi sans femme. Oh. Ton père a trop souffert pour ce trône. Ok. Ce que tu vas faire pour moi, c'est de choisir n'importe quelle fille dans ce village et je gère. Elle sera à toi. Maman, c'est là que se trouve le problème. Je t'ai dit que je n'ai encore trouvé personne. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je le sais. Hein? Oui. Tu es sûr? Bien sûr. Tu es vraiment sûr? Oui. Voici ce que tu vas faire pour moi. Je vais rassembler... toutes les belles jeunes filles de ce village. Elles vont danser. Hein? Fais juste ton choix. Choisis une d'entre elles. Je vais faire les cérémonies traditionnelles. Et c'est je vais compris. Te la donner en mariage, d'accord? C'est compris. C'est très bien compris. Laisse-moi aller voir Ichoka. Vas-y seulement. Amen, mon fils. Maman. J'espère que tu ne vas pas tarder je là-bas. Je ne vais pas tarder. Hein? Bonjour, marraine. Bonjour, allez-y marraine. En paix. Allez-y en paix. Allez-y en paix. C'est bon maintenant. Je te l'avais dit. Amen. Que les yeux te bénissent. Amen. Danse pour moi. Adam Bawaramego, Mambam Bawaramego, Assam Bawaramego,
Bawara Megou, ma fille adorée. Si je vous ai appelé, c'est à cause de ces choses étranges qui s'est produit hier. Nana. Père. Pas le nom de cette chose étrange qui s'est produit hier dans l'après-midi quand on allait dans le village d'Oru. Papa, je n'ai plus rien d'autre à dire. Rien de plus. La même chose que les gens ont vu, c'est la même chose que moi j'ai faite. Rien de plus. Et à propos de la fille, cette fille étrange pour qui tu avais eu de la peine, ce serpent étrange, l'avais-tu déjà vu auparavant? Non, papa. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Nana. C'est pour ton bien. Je ne dis rien d'autre que la vérité. Rien que la vérité. Vous avez certainement tous remarqué les éclairs de tonnerre qui se sont fait sentir aussitôt qu'elle t'a remis cet objet. Alors, où est-elle maintenant? Père, il faut qu'on construise un lieu d'adoration pour cet objet. C'est sérieux. Majesté, excusez-moi. Permettez-moi de me retirer avec notre fils un moment. Père, tu sais que Nana est très têtue. Si rien n'est fait pour l'arrêter, nous risquons de voir le pire. Mon prince, votre repas est prêt. D'accord. Apporte-la ici. La reine ne sera pas d'accord avec cette idée d'apporter votre repas ici, mon prince. Qui es-tu pour désobéir à mes ordres? Va m'apporter ma nourriture, ma chère. Désolé, mon prince. Désolé pour toi-même. Patiente-toi. Ta nourriture arrive. D'accord. Voici votre pain, mon prince. Merci beaucoup. Tu peux partir. Merci, mon prince. Je t'avais promis, ta nourriture est venue. Alors, mangeons. Protège-moi tous les jours de ma vie. Dans les moments de détresse, c'est toi qui me venges. La sauterelle qui refuse de suivre la bonne direction finira dans le ventre d'un oiseau. Nana, mon frère, ce que tu fais ne t'amènera nulle part. La bataille consacrée au sang est destinée aux vaillants, non pas aux faibles. Obina. Peux-tu me permettre de continuer mon invocation jusqu'à la fin? Invocation? Oui, invocation. J'espère que tu comprends bien ce que tu as dit, mon frère. Mais je veux aussi que tu comprennes ce que papa nous a toujours dit. Quand la mort tourne autour du chien, elle ne lui permet pas de sentir la présence du tigre. L'alliance entre moi
et ceci ne va jamais, jamais échouer. C'est ton problème. Mon fils Akem, Akem, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourquoi as-tu fait cela? Hein? Comment peux-tu honnir ta mère comme cela? Tu as vu toutes celles que j'ai rassemblées. Ai-je fait du mal en organisant une fête pour que tu choisisses une femme? Je suis vraiment désolé. Le problème, c'est que parmi toutes ces femmes, je n'en ai trouvé aucune. Aucune, je dis. Aucune d'elles. Aucune. C'est ça, maman. Ton père va se retourner dans son tombeau. Il est en train de se retourner là maintenant. Ikem, trouve-toi une femme. M'entends-tu? Trouve-toi une femme. Ikem, ce que maman est en train de dire est vrai, oh. Hein? Ou bien tu veux que la lignée ne va pas disparaître? Écoute, c'était très difficile de trouver une femme. Dis-le-moi, j'ai beaucoup d'amis filles. Je vais en choisir une pour toi. Je vais gifler cette fille-là tout de suite. Eh, personne ne va gifler ma fille. Est-ce qu'elle connaît à propos du mariage? Écoute, maman. Le mariage est une affaire de choix et non de force. Vous devez me permettre de faire mon choix délibérément. Ikem, ce que Ugezi dit est vrai. Garde, s'il vous plaît, attendez. Ikem, je voudrais que tu te maries. Ce que Ugezi dit est vrai. Moi, par exemple, je suis marié. Écoute-moi bien, je n'aimerais pas que là où tu es maintenant, tu oses être intronisé au titre du roi du royaume de Oru sans être marié. Ce n'est pas du tout normal. S'il te plaît, c'est une obligation. Et je répète, il faut que tu te maries. Hein, oncle, j'apprécie beaucoup ta préoccupation pour moi. Mais une chose est sûre ici. Vous et moi savons que le mariage est une histoire de choix et non de force. Alors, je demande que vous me donniez un peu plus de temps pour chercher la fiancée qu'il me faut. Je suis prêt. Je suis vraiment prêt à abandonner le trône si vous ne pouvez pas me permettre de choisir ma fiancée. Marie-toi. Merci. Je le répète. Marie-toi. Et vous devez me donner plus de temps. Tu as tout le temps. Donnez-moi plus de temps. Je dis, tu dois te marier. Pour trouver ma fiancée. Ikem, marie-toi. Je suis toute confuse. Non. Il n'y a aucun problème. Il doit simplement se marier. Exactement. Cola, cola, bébé, dia. Eu penso, eu não fui a cola, cola.
Y a-t-il quelqu'un dedans? Coco. Bonjour, jeune dame. Bonjour. S'il vous plaît, voici un cadeau du prince Obinna. L'héritier du trône. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois que l'héritier du trône n'est pas encore connu. Mais là n'est pas la question. Nous sommes venus vous délivrer un message. C'est ça. Hey! Mais ça provient du trésor royal. Je ne saurais le dire, jeune dame. S'il vous plaît, vous nous perdez du temps. Non, hein? Je ne peux pas le prendre pour rien au monde. S'il vous plaît, retournez-le au prince Obinna et dites-lui que je l'ai rejeté. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon, je ne peux pas le prendre. Ah! Vos gardes avec vous? Quelle garde? Je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais être un homme simple, tel que la nature m'a faite. J'aime être seul, comme tu peux le voir. C'est très bien, mon prince. Je ne savais pas que vous pouviez jouer la guitare avec une telle dextérité. C'est impressionnant. Es-tu sûr que tu ne me rejettes pas? Bien sûr que non. Ah bon? Non. En fait, pourquoi le ferais-je? Quand je vous ai entendu fredonner la chanson de loin, j'ai ressenti une sorte de peur semblable à un désir de mon cœur. Et j'ai voulu savoir de qui venait exactement cette musique. Eh bien, ce n'est pas mes aspirations. Mes aspirations des dieux. N'est-ce pas toi, Uma, la fille du plus grand sorcier de ce village? Comment l'avez-vous su, mon prince? Je t'ai vu la nuit dernière à la danse du clair de la lune, dansant et démontrant tous tes potentiels. Et j'aimerais te demander si tu peux danser au son de ma musique. Allez. D'accord. Adorable. Il y avait une danse merveilleuse. Oh, désolé, mon prince. Je t'aime. Je t'aime tellement. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Promets que tu vas m'aimer pour toujours? Je promets. Donne-moi du temps pour te rembourser. Depuis 2 semaines? Mon frère, tu ne sais pas ce que je traverse. Tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu traverses? Mon frère, tu me connais bien, non? Tu me connais bien. Hugo, attends. C'est la fille. Mon frère, s'il te plaît, arrête de me déranger. De la fille, oh. Et tu es là en train de me raconter quoi? De quelle fille parles-tu? Elle est là. Je vais prendre quelque chose là en haut. C'est elle que je cherchais. Hein? Une idée? Ça, c'est une opportunité pour toi. Mais pas pour moi, hein?
Il faut juste la piquer. Ne la rate surtout pas. Va vite, va vite. Allez, vas-y. Go, attends, non. Mais Derry, c'est quoi encore? Ah, tu sais, non? Pourquoi me poses-tu cette question comme si tu étais un enfant? Tu sais ce que je veux? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, non? Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes. Hey! Permets-moi de le faire juste une fois. Je serai rapide. Laisse-moi! Ah! Ah! S'il vous plaît, Alain! S'il vous plaît, Alain! Fou! S'il vous plaît, Alain! S'il vous plaît, Alain! Ma prince! Quoi? Il essayait de la violer! Dire! Mon prince! C'est une honte ce que voient mes yeux! Car je sais que tu as un penchant pour des problèmes érotiques! Mais pas jusqu'à ce point. Les dieux l'interdisent. Vous devez d'abord être amis. Dis, n'est-ce pas? Oui, mon prince. S'il te plaît, trouve une place dans ton corps pour le pardonner. Je ne peux pas le pardonner, mon prince, je ne peux pas. Peu importe comment tu t'appelles. Si moi j'étais à ta place, je ne saurais jamais ce que tu viens de faire. Dis-lui que si tu essaies encore, que Amanda te punit sévèrement. Maintenant. Tout de suite. Je suis désolé, je ne vais plus le faire. Dide. Oui, mon prince. Acceptes-tu ces excuses? Oui, mon prince. C'est bien. Aucune crainte. Je ne te ferai jamais mal. Je vous salue, mon prince. Salut. Pourquoi est-ce que tu me cherches de la sorte? Je suis désolé, mon prince. Votre père a besoin de vous immédiatement au palais. Dis-lui que j'arrive bientôt. Non, mon prince. C'est une question d'urgence. J'ai dit
Dis-lui que j'arrive bientôt. Tu dois partir maintenant. Va. Merci, mon prince. Ton père a besoin de toi maintenant. Regarde. Quoi? Non. C'est bon. Maîtrise-toi. Sois fort. Je te vois. En tant que nouveau roi. Vont te protéger. Merci, papa. Prends soin de ta mère et de ton jeune frère. Papa, pourquoi parles-tu ainsi? Non. Papa, me voici. Respecte ton grand frère. Et sois un bon fils pour ta mère. L'un d'entre vous siégera sur le trône de nos ancêtres. Celui qui aura l'opportunité de s'asseoir sur le trône doit se rappeler que le sang est plus épais que l'eau. En fait, vous deux, souvenez-vous que le sang est plus épais que l'eau. Le singe et le gorille partagent la même unicité. Je peux voir mes ancêtres venir maintenant. Papa. Ainsi que mon dernier souffle. Papa. Papa. Oui, Majesté, non. Papa. Majesté. Non. Non, Majesté. S'il te plaît. Non, Papa. Majesté. Papa. Ne fais pas Papa. Ça. Ne me laisse Papa. Pas seule. Papa. Je ne peux pas vivre seule. Je ne peux pas vivre Papa. Seule. Je c'est ne pas peux vrai. Pas vivre seule. Non. C'est pas vrai. Non. Papa. Non. Faire courage. Courage. Non, courage. Papa. Ça va. Ne fais pas ça encore avant que ces gars-là ne reviennent. Ça va. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va, s'il vous plaît, ça va. Hein, Majesté ça va. M'a laissé seule. Ça va, ça Majesté va. Majesté m'a laissé seule. Je ne peux pas vivre seule. Ça va, maman. Hein? Ça va, maman. Ça va, maman. Hein? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ça va, hein? Ça va, d'accord? Non, Cola. C'est le destin de papa. Ça va, hein? Rentre à la maison.
Laissons d'abord les aînés venir, ils sont quoi faire, d'accord? Allons-y. D'accord. Sonner. Je suis vraiment surpris. Quelque chose de grave est arrivé. Le géant Iroko est tombé. Et toutes ses feuilles dispersées. Voyons. Et toutes ces choses détruites. Umuakagu. Tu dois vraiment être très fort. Oui. Tu dois vraiment être très fort. À la fin de la journée, Sa Majesté va finalement rentrer chez lui. Et on posera la question suivante. Lequel de ses deux fils prendra le trône selon les principes de notre tradition? Chers amis aînés, nous savons tous pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Il y a 4 jours déjà que nous avons enterré notre feu roi. Mais le trône est toujours vacant. La question maintenant est de savoir qui prendra le trône. La tradition a une réponse à cette question. Dans les 2 jours à venir, Obinna et Nana feront tous deux un voyage à travers la forêt. C'est ça, tu as vraiment raison Edmond. Parce que notre tradition exige que quand Sa Majesté meurt, que l'œuf sacré qui est caché par les ancêtres soit ramené du fond mystérieux de la forêt sacrée. Et là maintenant, Obinna et Nana doivent faire un voyage vers la forêt pour ramener l'œuf sacré. Quiconque le retrouve et le ramène ici siégera sur le trône. J'espère que j'ai bien parlé. Bien sûr. Merci.
vous ne devrez pas avoir peur, car Edenma a tout préparé et vous apprêtera pour le voyage. Mon prince, tu ne dois pas paniquer pour ce voyage. Les dieux et les ancêtres seront avec vous pour le voyage. Hein? Je ne comprends pas la raison de ce voyage. Ils feront mieux. Ils feront mieux d'introniser Obinna comme nouveau roi. Non. Tu sais, ce sont nos traditions. Ne voudrais-tu pas être le prochain roi? Mon roi? Je le souhaite. Je souhaite être le prochain roi. Mais si Obinna s'installe sur le trône et devient le nouveau roi, c'est comme si c'était moi. Ne prends pas les choses de la sorte, mon prince. Seuls les dieux pourront choisir le nouveau roi qui prendra le trône de ce royaume. Cela pourrait être toi. Ça pourrait être lui. Calme-toi, d'accord? Nana. Namo ewo. Namo ewo. Ige jekwe jenudo. Iga nata kwanudo. Namo ewo. Namo ewo. Namo ewo. Namo ewo. Namo ewo. Namo ewo. Kuge dugi nudo. Kedu na fakwa di nudo. Namo ewo. Namo ewo. Kuge dugi nudo. C'est une très belle chanson. Nana. Bienvenue. Bonne arrivée, mon prince. Maman, tu disais que tu voulais me dire quelque chose. Oui. Je ne sais vraiment pas ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux te poser une question. Regarde-moi lorsque je te parle. C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non, tu maman. Feras mieux de comprendre. Hein? Écoute-moi très bien. Je veux entendre le cri d'un bébé dans la maison. Je t'ai trouvé une femme. Je l'ai mariée pour toi. J'ai payé sa dot. Hein? Et il n'y a pas de bébé. Pas d'enfant. Vous couchez toujours ensemble. Et pourtant, jusque-là, vous n'avez pas d'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, tu m'as donné une femme en mariage. Pourquoi ne pas permettre au Dieu de faire le reste? Quel Dieu? Voilà que tu ne la touches pas. Comment les dieux feront-ils le reste? Tu sais que tu dois poser le premier pas d'abord. La fille dit que tu ne la touches même pas. Comment veux-tu que les dieux fassent leur travail si toi-même tu ne fais pas le tien? Nous sommes là à attendre impatiemment, croyant qu'un bébé va naître. Ta femme dit que tu ne la touches pas. Elle a dit à ta soeur. Maman, si tu n'as plus rien d'important à me dire, s'il te plaît, permets-moi d'aller m'occuper d'autres choses plus importantes. Donc ceci n'est pas important. C'est important. C'est très très important pour moi. Tu n'as rien vu. Bon travail. Euh.
Obinna, sois le bienvenu. Merci. Assois-toi. Bonne arrivée. Sois le bienvenu. Merci. On dit souvent qu'un repas bien chaud ne reste pas longtemps sur la langue. Je t'ai donc appelé pour une raison spéciale. D'accord, oncle. Je suis ton oncle. Oui, c'est vrai. Ton père, mon frère, était un très grand roi. Il prenait tout ce qu'il voulait, quelle que soit la situation. Oh. Que les ancêtres le reçoivent auprès d'eux. C'est ça notre prière, oncle. Demain, toi et ton jeune frère, Nana, vous voyagerez dans la forêt pour retrouver et vous retrouverez l'œuf sacré. Tu dois savoir, Nana est un petit jeune homme. Il a beaucoup d'avantages. Tout ce qui essaierait de t'empêcher pour avoir l'œuf secret, pour devenir le nouveau roi de Umuagago, doit être déraciné. Par ailleurs, ce serait honteux et très humiliant que ton jeune frère te gouverne. Ah non, oncle, pas question. Comment pouvez-vous penser à quelque chose pareil? Tout le monde dans ce village sait très bien que je suis le premier fils de mon père, l'héritier présomptif. Oncle, Nana le sait bien. Oui. Nana le sait bien. Mais les dieux en sont conscients, que je retrouve l'œuf sacré ou pas. Rien ne m'empêchera de m'asseoir sur ce trône. Ça ne peut pas être source de problème entre mon frère et moi. Tu n'as pas compris. Ce que j'ai dit est que tu trouveras l'œuf sacré. Pars. Merci. Bon, ce que je veux dire, c'est que nous allons dans un endroit caché. Tu sais, si je te touche, alors si tu sais, cela me permettra de savoir si je suis en forme ou pas. Attends. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Non. Je disais juste que nous irons dans un endroit caché. Tu sais, et je vais te toucher. Et si tu sais. Alors, excuse-moi, Chuka, si tu sais, je saurai si je suis en forme. Attends, tu sais que je ne peux pas faire ça. Ikem, ton mari est mon ami, je ne peux pas le trahir. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas faire cela. Si jamais il m'attrape, je suis foutu, je suis mort, il va me tuer. Je ne lui dirai pas, et je ne crierai pas non plus. Allons faire ça, tu sais. S'il te plaît. Hein? J'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, laisse-moi regarder si quelqu'un vient. Viens. Obinna, viens t'échanger, moi je veux aussi m'échanger. Nous devons respecter les instructions. Obinna. Ce n'est pas possible. Pas à manger, pas à boire. Cette forêt me semble très étrange.
Nana, assois-toi. Assois-toi ici. D'accord? Repose-toi. Hein? Laisse-moi aller plus loin chercher de la nourriture. D'accord, vas-y. Fais attention aux animaux sauvages et sois prudent. Lorsque tu reviendras de ce voyage, tu dois savoir que je t'attendrai. Une fois dans la forêt, tu trouveras un grand iroko. Dans ce grand iroko, tu trouveras l'œuf sacré. Pars. Merci. Bye, mon prince. Nana, regarde. Hey, voici ce que j'ai trouvé à manger. Mon frère, tu es un champion. Allez, tiens. Hey. Je ne crois pas trop à la nourriture de cette forêt. T'inquiète pas, mon frère, d'accord? Je t'ai dit. Cette forêt est très étrange. Nana, calme-toi. Donne-moi le second. Assois-toi. Je voudrais que tu sois fort. D'accord? Ça, ce sont bizarres. Sais-tu ce que cela veut dire? Sais-tu... Oh, je voudrais que tu te rappelles de ce que Edernam nous avait dit. Toutes ces choses sont des tentations et des épreuves et nous devons les vaincre. Oui. Laisse-moi découper ce truc, hein? Doucement, doucement. Je me suis blessé. Doucement, mais c'est doucement, pas trop doucement. Grave. Allons par ici. Obina, prenons celle-ci. Nana, je t'avais dit de ne pas m'embrouiller pendant ce voyage. Prenons par ce chemin. Rappelle-toi ce que Edemon a dit. De quoi parles-tu? Il a dit que lorsque nous arrivons à un carrefour, nous devons toujours aller vers l'ouest. Excuse-moi, mon frère. Allons-y. Ça va. Obina! Obina, wanem! Obina! Obina, wanem! Nana, pourquoi tu cries? L'œuf! Obina, wanem! Je suis béni! J'ai retrouvé l'œuf! Qu'est-ce qu'il y a, Obina? Hein? Pourquoi n'es-tu pas content avec moi?
Mon frère. Nous avons finalement réussi. Félicitations. Oui, je le savais. Maintenant que nous avons retrouvé l'œuf secret, assois-toi. Il faut qu'on se repose un peu avant de reprendre le voyage. Oui. Hein? Je remercie les dieux. Les gens doivent être impatients de nous revoir maintenant. Ma mère, elle doit avoir perdu l'espoir maintenant. Je nous ai épargné. Elle vit encore. Elle vit encore. Qu'en est-il de Oma? Oma, je dois lui avoir manqué tellement. Hey. Obina, c'est quoi ton problème? Oh, rien du tout. Tu as l'air triste. tu dois être content que nous ayons retrouvé l'œuf. Oui, je le suis. Je suis content. Vraiment content. Tu dois être content. Je suis vraiment, vraiment content. Tout ce qui essaierait de t'empêcher pour avoir l'œuf secret pour devenir le nouveau roi de Oumuakago doit être déraciné. Ça, c'est une très belle chanson. Nana. Bonne arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Le prince sera assassiné, sa majesté. Quoi? Que voulez-vous dire par là? Vous le savez depuis, pourquoi c'est maintenant que vous m'informez? C'est à vous que je parle! Imbécile. Meurs. Meurs. Je le serai. Thank you.
Dis-moi, ma fille. Pourquoi te fais-tu si tant de mal? Pourquoi te fais-tu si tant de mal? Je t'ai dit que le prince Nana reviendra à toi en vie. Tu te tortures trop. Tu pleures trop. Maman, tu ne peux pas comprendre. Je ne fais que des cauchemars. Des cauchemars, maman. J'ai vraiment peur. Il me manque tellement. Oh, Nana. Je te comprends parfaitement. Nos dieux m'ont à coup sûr les ramener. S'il te plaît. Tu exagères trop, s'il te plaît. Regarde-toi un peu. Tu déprimes. Maman, je m'en vais au champ. Je voudrais que tu m'accompagnes au champ, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Je ne voudrais plus que tu te fasses du mal, s'il te plaît. S'il te plaît. Cesse de pleurer. Ça va, ma chérie. Je suis désolée. Comment ai-je pu laisser ceci t'arriver? Mais comment? Comment? Oh. Ouais, ça c'est le problème. Eh bien, Zaza. Le problème. Attends. Il y a maintenant 5 jours que rien ne change. Hein? Tu ne trouves pas que ça dirait? Comment on fait? Ousso, on n'a pas à s'inquiéter du tout. Ils finiront par revenir. Je te promets, ils reviendront. Je te quoi? Je te promets. Rien du tout. Ne te panique pas. Ah! Adjoa. Ogodi. Les as-tu vus? T'as vu mes enfants? Calme-toi, calme-toi. Oh ouais, calme-toi, assis-toi d'abord. Ils sont vraiment entraînés. Assis-toi d'abord. Oui. Sont-ils en vie? Ils sont en vie. Calme-toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ils sont en vie et ils reviendront. Est-ce que tu es une étrangère ici? Es-tu? Pourquoi tu t'es fait du mal comme ça? Hein? Les dieux de notre terre vont les protéger. Exactement. Ah. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi. Ne pleure pas. Calme-toi, calme-toi. Attends, lève-toi, on ira. Je reste ici et je les attends. Non, lève-toi, lève-toi. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Non, laisse-moi. Oncle. 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 Je suis de retour. Oui, mais voici. Attends, écoute. Je vais porter ça. Regarde ça. Regarde. Regarde ça. Mais c'est ça. Ah oui, je te dis, regarde ça, regarde ça. C'est bon. Ok, je le fais. Je savais. Je savais que t'allais le faire. Je savais. Oui. Fils, je savais. Je suis l'homme qui apporte des solutions. Tu peux pas croire combien je suis erré. Nana arrive, il est en cours de route, il court. Je suis l'homme des solutions, l'homme qu'il fallait. Merci. Oncle, si j'ai un problème, tu sais quoi faire? Ouais, t'inquiète pas, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Oublie ça. Ok, c'est bien, c'est bon. Est-ce que tu viens avec moi? Non.
là-bas demain. Demain, bêta. Ok, oncle. Je m'en vais. Merci beaucoup. Ah, bien. Oncle. Oh, mon fils. Merci. Bien joué. Oh, Seigneur, merci. Je savais. Maman. Maman. Maman, sans. Maman, maman, je suis de retour. Maman, je suis de retour. Mais vous, c'est maman. Vous l'avez fait? Oui, maman, je l'ai fait. Je remercie les dieux de notre terre. Maman. Je les remercie beaucoup. Je lève secrète. Je lève secrète. Je l'ai. Mobile. Oui, maman. Où est ton frère Nan? Nana. Nana, Nana, Nana arrive. Il est en train d'arriver, maman. Obin. Maman. Tu as abandonné ton frère dans la forêt? Non, maman. Je ne l'ai pas abandonné. En fait, lorsqu'on était de retour, je lui avais dit de courir, mais il m'avait dit qu'il est fatigué et il ne peut pas courir. Je lui ai dit, bon, c'est bon, moi je me précipite. Je pars avec l'œuf secrète. Nan, Nan Namo, sois le bienvenu mon fils. Est-ce que tu pleures? Est-ce que parce que tu n'as pas trouvé l'œuf? Peut-être que c'est la volonté de Dieu pour que ton frère soit le prochain roi. Viens dans mes bras, tu m'as tellement manqué. Viens, Nana, viens. Oh! Nana. Es-tu mort? Nana, es-tu mort? Nana! Oh! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Où est ton frère? Maman, je dois être honnête, j'avais juste peur de te dire ce qui s'est passé en réalité. Tu sais, maman, un animal sauvage avait tué Nan. C'est très dangereux ici, s'il te plaît. S'il te plaît, allons à l'intérieur, s'il te plaît. Vas-y. Entre, s'il te plaît. Entre. Qu'est-ce que tu es belle, regarde-toi. Et je sens, oui, je sais que tu vas gagner le cœur du prince Obina. Bien sûr, maman, tu ne crois pas en ta fille ou quoi? Quand il verra cette beauté et cette taille, il ne pourra pas me rejeter. Mais alors, cette fille, elle aussi va mal, hein? Et j'ai entendu dire qu'elle a tapé dans l'œil d'Obina. Maman, oublie cette main-là, hein? Tu sais qu'elle est amoureuse de Nana.
Elle aime beaucoup. Ça ne sera pas un obstacle pour moi. Ok, et ça c'est très bien. Et c'est surtout aussi à notre avantage. Et... Ah. Alors maman, sois définitivement prête à être la mère de la reine. Oh, oui, oui, je me vois déjà marcher comme ça devant les gens, comme ça. Oh, oui, comme ça, tu vois. Hein? Oh, je t'apporte à manger. Où est passée cette fille? Maman! Hé, personne ici. Maman? Où es-tu passé? Tu n'es pas encore habillée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas encore habillée. Où sont tes bijoux? Hein? Je dis, tu ne t'es pas encore habillée. Non. J'ai dit que je ne suis pas prête pour aller danser, non. Quel est ton problème? Nana est mort. Il est parti pour toujours. Tu ne le reverras plus jamais. Affronte la réalité. Il faut que tu arrêtes avec tous ces fantasmes. Ou tu ne veux pas que les gens me considèrent comme la mère de la reine, c'est ça? Je te demande main, c'est ça? Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Reviens ici, reviens ici. Non. Reviens ici. Tu vas t'habiller et plus vite, c'est ça. Habille-toi, vas-y, entre, habille-toi. Toi. Mon prince, je fais la collection de plus belles filles de notre terre. Et si je le fais, c'est pour que tu puisses choisir ta femme. Je suis obligé de choisir l'une seule parmi vous. Je ne sais pas comment choisir. Juste, écoute ton cœur, ok? Écoute ton cœur. Oh, ouais, ça va. Ok, je fais mon choix. Tu seras ma princesse. Mon peuple, je ne souhaite pas du tout siéger au trône. Je veux rester seule, célibataire et vierge pendant toute ma vie. Mon peuple, je suis pas intéressée. Non! Mon peuple, depuis
que ce royaume a été créé, ce qui vient de se passer ne s'est jamais passé. Ok, c'est bon. Je t'ai choisi, toi. Viens. C'est quoi ton nom? Mon nom est Oggy, mon prince. Ouais, Oggy, okay. C'est ton temps. Oui, c'est ton temps pour que tu brilles. Sois la bienvenue dans ma vie. Tu es la princesse. Merci, mon prince. Tu es ma princesse. Viens. Bienvenue, mon prince. Pourquoi tu as choisi me rejeter, m'insulter devant mon peuple? Est-ce que tu sais la gravité de ce que tu as fait? Ou soit tu as oublié que c'est moi le prince de cette terre? Oui, je sais. Mais pourquoi tu as refusé d'être ma femme? Je préférais mourir que de me marier à un prince aussi méchant et arrogant. Tout le monde sait ça dans ce village? Oh, mais... je ne suis pas arrogant. Les gens ne me comprennent pas. S'il te plaît, je suis pas intéressée. Vivre comme ça, je ne peux pas. Je préférerais mourir que me marier au prince Obina. Oh, Seigneur. Nana. Nana, tu es de mon amour. Où que tu sois, je veux te rejoindre. Je veux être avec toi. Nana. Oh, Seigneur. Oh, arrête, arrête. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-tu ici? Hein? Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça s'il te plaît! S'il te plaît, ne fais pas ça! Je vais me tuer! Laisse-moi! Arrête ça s'il te plaît! Arrête ça! Laisse-moi! Arrête ça! Non, ça suffit! Tu veux te tuer parce que Nana est mort! Hein? Arrête ça s'il te plaît! Calme-toi s'il te plaît! Calme-toi! S'il te plaît, ne te fais pas mal! Calme-toi! Calme-toi ma chérie! Je ne veux pas continuer comme ça.
ça va aller. Oh, tu sais pas. Ça va aller, calme-toi. C'est bon, c'est bon. Je le vois. S'il te plaît. Il me manque. Calme-toi. Non. Ça va aller. Non. Calme-toi. Calme-toi. C'est bon. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Où est le couteau? Où est le couteau? Où est le couteau? Hey! Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Nana, mon Dieu! Calme-toi, s'il te plaît! Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux mourir! Calme-toi! Je veux mourir! Je veux mourir! Calme-toi! Je veux mourir! Ça suffit! Oh non, non, laisse-moi! Cela ne va pas arriver! C'est bon, ok! Calme-toi! Ça suffit, ma chérie! Calme-toi! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regarde comment tu as jeté les salives. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce mal si quelqu'un jette la salive? Oui, tu jettes les salives partout. Parce que je sais que c'est seulement des femmes grosses qui jettent des salives comme ça. Ah bon, maman? Alors dis-moi, es-tu enceinte? Moi? Enceinte? C'est pas vrai? Tu n'es pas enceinte, alors comment tu jettes des salives partout? Hein? Ça fait longtemps que je t'observe, tu jettes tes salives partout. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bien. Comme mon état t'intéresse beaucoup, je suis enceinte. Hein? Koguma, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis enceinte! Et c'est qui le propriétaire? Toi! Moi? Regarde, tu dois savoir ce que tu dis, hein? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre royaume de Makago. C'est un jour de joie. Un jour de bonheur. C'est un jour de célébration. C'est un jour d'harmonie. Et vous allez remarquer que même les oiseaux vont s'incliner devant notre nouveau Igwe. Igwe Obinna. Et il est le bienvenu dans notre royaume de Makago. Est-ce qu'on va dire très heureux pour cet accomplissement. J'aimerais nous remercier tous ici pour notre contribution. Je parle de tout le monde qui est venu dans cette célébration. Comme vous pouvez voir, nos dieux sont contents. Alors je dois vraiment vous remercier. Alors pour ça, on doit accompagner notre nouveau Igwe jusqu'à sa maison. Parce que nos anciens disent, le respect d'un peuple est l'honneur des rois. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Avant que je ne m'assoive, laissez-moi vous dire encore merci. Merci beaucoup. Mon peuple, aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Même nos ancêtres et nos dieux célèbrent aussi. Parce que nous avons honoré le prince Obinna, le seul du royaume de Makago, et sa belle épouse, Ogechi, la princesse.
Pouvons-nous maintenant l'accompagner au palais? Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens comme ça en haussant la voix, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Tout ce que tu as à savoir est qu'il y a un problème sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est la femme que tu m'avais donnée comme épouse. Qu'est-ce qui va pas, Megan? Elle a commis une abomination. Comment? Quelle abomination? Elle est enceinte. Oh, c'est bien comme elle est enceinte. Félicitations. Je te dis qu'elle est enceinte et je ne suis pas le responsable. Oh, comment peux-tu dire ça? C'est toujours toi qui restes avec elle. C'est comme ça que tu les prends? Laisse-moi te dire que cette femme doit quitter ma maison cette nuit. Elle va quitter ma maison. Elle ira nulle part. Je t'ai déjà dit, je n'ai plus de problème. Si elle t'intéresse beaucoup, tu peux la prendre et la garder ici chez toi. Oui, on le fera. Ça va, Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Des femmes t'attendent là-bas dehors. À cette heure? Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles disent qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ces villages. Il faut une solution. Et vous êtes mieux placé pour la trouver. Votre Majesté. Oui? Votre mère veut vous voir. Où est-elle? Elle est devant sa maison. Ok. Dis-lui que je vais la rejoindre bientôt. Non, Majesté. Elle a exigé de vous voir maintenant. C'est urgent. Je t'ai dit de lui dire que je vais la rejoindre bientôt. Comme vous voulez. Attends. Majesté, vous connaissez ses conditions. Vous savez qu'elle est très malade. Allons la voir immédiatement. Ok. Alors vous allez dire à ces femmes que je ne peux pas causer avec eux à cette heure. Elles doivent revenir demain matin. Oui, oui, sa majesté. Allons-y. Maman. Maman. Comment vas-tu aujourd'hui? Tu m'as appelé. Oui, je l'ai fait. Comme si je vais bientôt rejoindre mes ancêtres. La mort de Nana m'a beaucoup affectée. Nana. Je t'avais demandé de le protéger. Comment tu peux laisser cet animal te tuer? Non, maman, comment tu peux dire ça? Maman, ne pleure pas. Maman, tu me fais mal. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Maman, ne dis pas ça. Maman, ne dis pas ça. Regarde, tu sais, tout ira bien. Rien de mal ne va arriver. Ok? Hey, Maman? Maman, réveille-toi. Maman. Oh, maman est morte. Hey, oh. Réveille-toi, maman. Maman. Oh. Réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi. Maman. Hey. Maman, ne fais pas ça.
Ne fais pas ça. Réveille-toi. Non, réveille-toi, non. Réveille-toi, ne fais pas ça. Ne me fais pas ça. Maman, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, non. Ne nous laisse pas, pas maintenant. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu, je suis foutu. Ah bon, maman tuée. Comment va réagir le prince s'il découvre que c'est moi le responsable? Est-ce qu'il va me tuer? Eh, Nana Samboué. Oh Lydie, pourquoi vous avez permis que ça arrive? Oh Seigneur. Ma vie est en danger maintenant. Je dois être sage. Je pense que je peux m'enfuir. Oui, je dois m'enfuir. Oui, je dois m'enfuir chez ma mère. Et je dois le faire maintenant. Oui. Je vous ai amené ici, c'est parce que j'aimerais pas que ma mère sache ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, mon prince. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Je pense que vous deux, vous savez bien que cette femme-là, appelée Aboma dans ma maison, est enceinte. Et moi, je ne suis pas le responsable de cette grossesse, je ne le suis pas du tout. Et il me parle d'un enfant, moi, je n'ai pas besoin d'un enfant dans ma maison. C'est pour ça que je vous ai appelé. Mais mon prince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que je veux que vous puissiez faire et que vous puissiez la sortir de mon palais, je ne veux plus la voir. Elle est en train de m'emmerder, je ne veux plus la voir. Vous m'avez compris? Mais mon prince, tu sais que la princesse la protège. Ça sont vos affaires, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez la faire sortir de mon palais. Vous devez le faire. Si la princesse la protège ou pas, ça c'est pas mon problème. Vous faites votre travail, point barre. C'est ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé? Serpent, tu dis? Mais qu'est-ce que vous faites? Soulevez-la! Lève-toi, lève-toi, sois forte. Sois forte, prends du courage, ok? Ça ira.
Le serpent Nana. Je n'arrive pas à comprendre le serpent Nana. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-lui, dis-lui. En revenant de la rivière, il voulait mieux te dire. Il y a un serpent qui a tué. Où Tchétchi? Où Tchétchi est morte? Ma fille est morte. En fait, vous devez bien m'expliquer parce que je suis en train de perdre aussi mon propre fils. Chérie, calme-toi. Je suis désolé. Hugo, s'il te plaît. Je dois te parler, s'il te plaît. Viens. Une minute, je dois te parler. S'il te plaît. S'il te plaît. Mettez-la derrière. Qu'elle se repose. Hein? J'arrive. Ok? J'arrive. Oh. Chérie. Tout va bien. Hein? T'inquiète. Je suis désolé. Hein? Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Va dans ta maison. Il fait nuit. Tu me demandes parce que le serpent c'est Nana et il revient en esprit de vengeance. Non, ce que tu dis n'est pas vrai. C'est pas vrai. Nana est mort et il ne peut plus revenir en vie. Alors s'il te plaît, ce que je te dis est vrai. Comment tu sais que c'est Nana? Mon fils, Nana s'est apparu devant moi. Et il s'est transformé en serpent. Comme j'avais dit, que c'est une attaque de vengeance. Dis-moi vrai, parce que je ne sais pas quoi faire. Dis-moi. Attends, mon oncle. S'il te plaît, dis-moi. Je vais garder le secret. Dis-moi. S'il te plaît. Dis-moi. C'était là où j'avais trouvé l'œuf. Et j'avais voulu être considéré comme l'homme qui avait trouvé l'œuf secrète. Et voilà. Je l'avais tué moi-même. Tu l'avais tué. C'est bon, mon fils. C'est bon. Je sais qu'il est en colère contre moi là où il est. Vraiment en colère. Très en colère. Mais tu sais quoi maintenant? Ta propre vie sera en danger si rien ne fait maintenant. Peut-être que tu es le prochain. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Ce que je viens de dire. Peut-être que tu es le prochain. Ezemo, si je t'ai appelé à cette heure, c'est pour rien d'autre. C'est pour ce qu'on avait causé la fois dernière. Tu sais, les choses étranges arrivent à notre terre et je pense que tu peux connaître la cause. Hein? L'apparition de ces serpents qui tuent les gens et d'autres personnes se transforment dans des animaux. Igwe, je t'avais dit que toi, tu es la cause de tout ce qui se passe dans ce village. Igwe, et je suis désolé, Ezemo. Mais tu sais, tu es. Bon. C'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ou soit qu'est-ce que tu vas faire, oui? Parce que j'ai pas besoin que les anciens sachent à propos de ça. Écoute, Igwe, tu parles beaucoup. Ton frère, Nana, était la personne qui avait découvert l'œuf secrète.
Mais à cause de la jalousie, tu l'as. Enfin, tu... C'est compliqué. Tu vois? C'est compliqué. Regarde. Peux-tu te rappeler de ce qui s'était passé le jour où Nana, ton frère, avait reçu le pouvoir des serpents? Ton frère Nana, c'est le serpent. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les aimants. C'est bon, calme-toi. Où est-ce qu'il est mort? Il ne le méritait pas. Les choses étranges vont se passer. La seule solution à ce problème est ta tête. C'est ça qui va arrêter les serpents. Oh, mais écoute, c'est même la raison pour laquelle je t'ai appelé à cette terre. Tu peux trouver une solution à ces problèmes. Tu peux résoudre ces problèmes. Hein? Tu sais, regarde. Laissez-moi. Ta tête est la seule solution à ces problèmes. Ezemo, tu sais que c'est pas possible, hein? Regarde, tu sais que c'est pas possible. Non, mais... Mais comment est-ce que je peux mourir? C'est pas possible. Oh, mais regarde bien le futur, tu verras. Si je meurs aujourd'hui, alors qui va diriger ce royaume? Ezemo, tu as été un très bon ami de mon père et tu dois aussi savoir que je suis aussi ton ami, hein, tu vois. Je vois. C'est vrai. Mais pourquoi ne pas essayer un peu de vraiment penser pour trouver une bonne solution à ces problèmes et trouver un moyen pour que ces problèmes soient résolus sans que je ne meure. Tu dois vraiment crier pour que le Dieu t'attende. Hein? Tu sais, je t'ai apporté quelque chose. Hein? Regarde ça. En fait, ça c'est ce que j'avais réservé pour toi. Tu sais, rien de mal ne peut m'arriver si les dieux n'ont pas décidé. Tu comprends ce que je veux dire? S'il te plaît, aide-moi. Ouais. Je vais voir. Mais, Igwe, hein? Seulement 3 vierges seront sacrifiées. 3 vierges? Ezemo, tu es génial. C'est pour cela que je t'avais appelé, tu sais. Oui, je t'avais appelé. Parce que tu étais l'ami de mon père. Et maintenant, au moment où on part, je veux m'arranger pour que cela soit fait. Calme-toi, je m'en vais. C'est chemin que tu vas. Ah, tu vas aller là-bas et ne sais plus jamais de revenir. Oh non, non, non. Ne me faites pas ça. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie. C'est pas ma faute, oh. C'est pas ma faute. Alors c'est ma faute. C'est ma faute. C'est pas ma faute. C'est la reine. C'est elle. C'est elle qui m'avait dit de le faire. Elle a dit que je faisais moi. Et toi, laisse-moi, ne me touche pas. Je suis fini. Tu continues à pleurer? Regarde, ton chemin est là-bas. Je pense que tu dois déjà partir. Lève-toi et marche, vas-y. Non, 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 pardon. Oh, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Mais il devait être là. Hein? Oh. Il devait être là. Il est là. Remercions l'Éternel.
Ezemo, les aides de Dieu, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. As-tu consulté les dieux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, je l'avais fait. Et les dieux ont dit trois vierges. Je répète, trois vierges doivent être sacrifiées. Pourquoi trois vierges? Pourquoi pas trois vierges? Pourquoi pas trois vierges? Mais qu'est-ce que vous dites? Laissez Ezemo faire son travail. Un jour, quel est ton problème? Seulement 7 jours. Adjoya. Adjoya. Je te suspecte dans ce problème. Tu es déjà suspect si tu ne sais pas. Adjoya. Donc selon toi, on doit sacrifier tout le monde de ces villes pour que ce problème prenne fin. Tu dois te tuer toi-même. Tu dois te sacrifier toi-même. C'est toi qui seras la prochaine victime. Mais Frankie, moi je m'en vais. On n'importe quoi. C'est bien. Entity, oui la chère. Nous sommes dans la merde. Ma chère, oh, tu t'imagines être sélectionnée parmi les vierges juste pour ce sacrifice? C'est terrible. La meilleure chose à faire dans ce cas est de fuir. Ah oui? Et où comptes-tu aller? Parce que moi, je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Je compte rester ici et peut-être que je ne vais pas être parmi celles qui vont se faire prendre. Tu penses pas? Écoute, si tu tiens à rester dans ce village, c'est ton problème. Moi, je tiens ma vie. Je veux vivre. Je peux pas me laisser faire. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Mais où vas-tu? Où vas-tu? Vas-y, joue. Aujourd'hui, je vais pas manquer. Vas-y, joue. Je sais que tu as peur. Moi, je vais jouer ici. Tu vas jouer ici? Ouais. Tiens, ça c'est pour toi. Oh, tu ne l'auras pas. Je sais ici. Tu sais que je suis un grand joueur. Je suis un grand joueur. Tu es ma femme, je vais te marier. Non, attends. Tu joues ici. Ces garçons, je t'avais dit qu'ils m'étaient pillés. Comment tu as fait ça? Hein? Trois petits coups et tu es par terre. Hein? Oh. Mais qui te suit? S'il te plaît, je suis désolée. Je ne devais pas te rejeter. Puisque je suis ici pour accepter ta proposition. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu fais partie de vierges? Oui. Les gardes me suivent, sauf ma vie. Sauver ta vie? C'est vrai. Je suis ici pour que tu me vierges. Tu es vierge? Je ne peux pas le faire. S'il te plaît. Après avoir détruit mon nom pour Nana, tu veux maintenant que je te dévierge? S'il te plaît, sauve ma vie. S'il te plaît. S'il te plaît, Zéré, sauve ma vie. Ah, faire ça pour sauver ta vie. Laisse-moi te dire. Je ne peux pas le faire. Hein? As-tu oublié que j'avais juré devant les dieux que je ne veux plus refaire ce que j'avais fait? Je ne veux pas le faire. Écoute, je ne peux pas le faire. Tu m'as écouté? Tu ne peux pas. S'il te plaît, aide-moi. Mon frère, fais ce qu'elle te demande de faire. Enfin, si tu ne veux pas le faire, laisse-moi le faire. Alors, elle ne peut pas partir comme ça. Gona, tu es fou. Hein? As-tu oublié que j'avais demandé cette fille avant? Elle l'avait refusé. Maintenant, elle me demande de le faire. Je ne veux pas le faire. Écoute, Basangona Bango et Panzane. Somme, ma belle, je continue à vous. S'il te plaît, écoute-moi.
tu es venu me voir. Il veut me prendre. Il veut me prendre pour le sacrifice. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me dévierges. Maintenant. Abomination. Moi, peut-être attends, laisse-moi te rappeler. Je t'avais demandé de me marier, mais t'avais refusé. Je t'en supplie. Ok. C'est bon. Je vais changer mon avis à une seule condition. Des bouteilles de tamba. Oui. Tu m'as compris. Même 5. Tu vas me les donner maintenant ou après? Oui. Juste après ça. Allons-y. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je suis un bon garçon. Oui, je sais, merci. Je vais te satisfaire seulement une fois. Ne me pose pas. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu veux me violer? C'est une viol. Non. Je pense que c'est pas une viol. C'est la vie sans train de faire avant, s'il te plaît. Je l'ai fait seulement parce que je suis un playboy. Oh. Et là, oui. Oh. Tu pensais que j'allais tomber. Tu te trompes. Moi, je ne tombe pas. Moi, je ne tombe pas. Ok. Vas-y. Dis-moi, tu vas dormir sur moi ou c'est moi qui vais dormir sur toi? Quand tu veux, mais fais vite. Lève-toi, dépêche-toi. Désolée, tu as arrêté. Dépêchez-vous, cette fille s'est fait dévierger. Dépêchez-vous. Allez, là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis vraiment un rêve pour cette solution. Pas seulement toi. Je sais qu'avec ce sacrifice, la terre retrouvera sa paix. Je pense vraiment. Bien sûr que oui, je le dis toujours. Nos ancêtres sont vraiment générés. Tu sais, ils sont avec nous, ils nous protègent, ils nous aiment. Tu sais, ce qui nous inquiète, les inquiète aussi. Tu y as raison. Toi, bâtard, je vais te taper un baiser. Et toi, vous, et laissez-moi partir. Laissez-moi partir, je vous dis. Laissez-moi partir. Je vous avais dit, il faut arriver ici. Vous allez me laisser partir. Imbécile. Assis-toi. Merci, Sa Majesté. Si pas pour le respect que j'ai pour ce royaume, j'allais te donner ça. Bon. Qu'est-ce que ça signifie? Sa Majesté, ce jeune homme inutile de virger cette fille. Au cours? Sa Majesté. N'est-ce-tu pas qu'on a besoin de vierges pour faire le sacrifice, pour sauver cette terre? Cette fille est venue près de moi. Elle m'a dit qu'elle veut tester la force de mon oncle. Moja! Bah! C'est tout. Désolée. Excusez-moi. Pardon, votre majesté. Pardon. Est-ce que c'est vrai? Votre majesté, non. Je ne voulais pas être sacrifiée. C'est pas vrai. Ce que cette fille vient de faire montre qu'elle ne s'intéresse pas à tout ce qui arrive à cette terre. Oh mon Dieu, ça, ce n'est pas possible. Quelle peut être la punition pour cet acte? Sa Majesté, nos traditions n'ont pas de solution pour ça. Mais si tu me demandes, je vais te dire que comme cette fille ne s'intéresse pas de cette communauté, comme elle a péché, ce qu'on peut faire,
c'est de la jeter dehors pour qu'elle puisse trouver une autre résidence à l'extérieur d'ici. C'est tout. Comme le roi de ces royaumes, je t'ai banni. Tu ne vas plus poser tes pieds sur cette terre. Au cas contraire, tu seras tué. Sortez-la d'ici. Je m'excuse. Lève-toi, 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 ne rêve pas, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et toi? J'aimerais que vous puissiez l'attacher derrière ce palais. Attachez-le sur un arbre et donnez-lui ce qu'il mérite. Eh, mais c'est les gars, je dois dire. S'il vous plaît. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Là-bas, là-bas. Eh, laissez-moi. Laissez-moi. Sois le bienvenu. L'homme sage. Les yeux de Dieu de notre terre. Comment ça s'est passé? Les anciens de Woman Kago, pour toutes les femmes vierges présentées, les dieux ont sélectionné seulement 5. Et elles sont toutes maintenant chez Igwe. Dans peu de jours, elles seront sacrifiées. Pour ça, soyez prêts. Elle est là. Bonsoir, Sa Majesté. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien du tout. Alors pourquoi tu as décidé de mourir au lieu de venir dans mon palais? Palais? Oui, mon palais. Oui, votre majesté, mais... Vous êtes marié? Oui, je sais. Je sais que je suis marié. Et laisse-moi te rappeler que je suis l'unique roi de ce village. Et je peux prendre autant de femmes que je veux. Jusqu'à ce que moi-même je me décide d'arrêter. Alors, sois ma deuxième femme et je vais t'ouvrir mon deuxième cœur. Votre Majesté. Mais j'ai été choisie par les dieux. Mais les sages avaient dit que 5 suffiront. Et pour ce, on a déjà 5 vierges présentes. Et je pense que tu seras la bienvenue dans ma vie. Pense bien. J'ai peur, votre majesté. Je ne veux pas mourir. Je vais réfléchir. Ouais, c'est ça. J'adore ça. C'est si unique. Ouais. Dis-moi, qui te l'a donné? Ça? Oui. Ça, c'est vraiment une chose importante de ma vie. Ça m'a été donné par mon père. Et il m'avait montré comment l'utiliser. Vraiment? Oui. Alors dis-moi, comment est-ce que tu utilises ça? Dans des moments dangereux, tu le mets dans ta bouche, tu arrêtes ta respiration et tu deviens invisible. Tu es sérieux? C'est une surprise, non? Non, je te crois pas. Ouais, pense-y.
Bien. Et pense vite. Votre Majesté, s'il vous plaît, accordez-moi une faveur. Quoi? Faites envoyer un message à ma mère et dites-lui de me faire parvenir mon collier. Ah, mais pourquoi donc? Ça me rend heureuse à chaque fois que je le mets. S'il vous plaît, Votre Majesté. S'il vous plaît. Bien, je vais le faire, t'inquiète. Retourne avec elle. Oui, Sa Majesté. Allons-y. Je tiens. Qu'êtes-vous? Ne me pose pas de questions. Qui t'a donné ça? Non, non. Donne non. ça. Non, 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 non. Donne ça, j'ai dit. Non, ça c'est une non. Non. Donne, j'ai dit. Oh non, 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 non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh non. Oh, oh, oh non. Oh, dans la mort, non, non. Non. Pourquoi ça m'arrive? Oh non, j'en suis fatiguée. Mon collier, mon collier, mon collier. Non, pas ça, non, pas ça. Oh non, pourquoi il m'a pris mon collier? C'est tout. Tout ce que j'avais. Parce que j'avais une nana. Ah, mon collier, mon collier. Les doyens de Ouma Kago. Aujourd'hui, c'est le jour J. Les dieux nous ont dit de sacrifier les femmes vierges pour sauver la terre. Le moment est venu. Nos doyens, les vierges sont là. Laissez-moi confirmer si elles doivent être sacrifiées. Vas-y, prends et toute.
Oscar, oh. Aidez-moi, aidez-moi, je vous en prie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, on ne peut que l'amener chez nous là-bas. Ok, ok, porte-toi. Je vous en prie, je vous en prie. C'est bon, je ne te blâme pas, mais un jour, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Okuru, les leaders des leaders, les leaders de tous les animaux, les rois de la forêt. Ok, je ne te blâme pas, c'est l'alcool qui te fait comme ça. Je rentre d'abord à la maison, après avoir me reposé, je vais revenir te voir. Je ne te blâme pas, c'est pas de ta faute. Toi, enfant bâtard, tu penses que je peux tomber si facilement comme ça? Tu me pousses, toi, bâtard. Attends, c'est pas parce que j'ai arrêté de me dire ça. Quand j'étais petit à ce moment, tu es déjà mort. Je comprends. Les gens de ce village ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas que Okuru est l'homme le plus important. Azoba. Okuru. Demain vous allez venir chez moi. Me demander Okuru, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution à tous ces problèmes. Alors moi je vais vous regarder comme un fou. Je ne vais rien dire. Je ne vais pas émettre mon idée. Je ne vais pas donner mon opinion. Yep. Brum. Tac. Brum. C'est qui comme ça? Ça c'est qui? Hé! Hey. Oh, je l'avais dit. J'avais dit ça. Vous ne voulez pas comprendre Okuru. Les autres disent que Okuru est stupide. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ok. Regarde-toi maintenant. Idiot. Un vrai tonneau vide. Toba. Remercie l'Éternel. Je l'avais dit. J'avais dit ça. Laisse-moi continuer ce que tu buvais. Ça, c'est pour moi. J'avais dit ça. T'inquiète pas, mon fils. Je suis avec toi. Lorsque je vais boire, je vais te rejoindre aussi. Mais il faut être prudent. J'avais dit ça. Oh. Maintenant, je comprends pas pourquoi tu dors comme ça. C'est à cause de cette boisson. T'inquiète. On est ensemble. Dans ce royaume, dans ce Umakabu, les gens vont comprendre qui est au coco. T'inquiète, je rentre d'abord à la maison. Je viendrai te voir. T'inquiète, c'est pour cela que je t'aime. Cet idiot-là qui m'avait fait tomber, je ne le blâme pas. C'est un petit con. Ne regarde pas mon fils. Lorsque tu es fini, je vais te rejoindre. Mais pas maintenant. Même dans un mois. Bonjour, Ren.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette pauvre fille? Marie, je ne sais pas. Cette fille est enceinte. Et elle s'est enceinte avec l'enfant. Salut, ma reine. Salut, ma reine. Salut, ma reine. Et Kem? Maman. Où est la Goma? Oh, on l'a cherché partout, partout, maman. On l'a pas vue. N'est-ce pas? Ma reine, on a essayé, mais on l'a pas vue. Et c'est qui celle-là? Oh, je vais te dire plus tard. Plus tard? Oui, ma reine, je vais te dire plus tard. Si un malheur arrive à cette fille, tu auras affaire à moi. Hugo, je te salue. Mes collègues doyens, je vous salue. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour résoudre tous nos problèmes. Oui, tu as raison. Il y a 7 jours, Ezemo nous avait dit que la seule façon de faire disparaître ces serpents est de faire le sacrifice d'au moins 3 vierges. Mais depuis qu'on a fait ce sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Ichidikwe a été tué hier par le même serpent. On veut savoir ce qui s'était passé, Igwe. Moi, je pense que c'est à cause de la fuite d'une de vierge choisie par les dieux. Adjoa la ferme. Si tu ne sais pas quoi dire, tu peux bien la fermer. Ezemo nous avait dit au moins 3 vierges. La fuite d'une seule parmi les 5 choisies n'a pas de sens. Ozo, ça ne va pas à la tête ou quoi? Tu me parles comme ça? Tu n'as plus peur de moi? Adjoa. Es-tu malade? Adjoa, écoute ce que tu dis. Sois prudent. Écoute ce que tu dis. Silence! Je crois que vous êtes assez vieux pour savoir comment vous comporter. Essayez de penser à ça. Je pense que le problème est le nôtre. On doit inviter Ezemo une fois de plus. Sa Majesté, je suggère qu'on invite Ezorash, le chef de Omananda. Je pense que c'est comme ça qu'on doit évoluer. Mon frère, laisse-moi encore te conseiller. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Comment tu peux donner des bêtes si je suis comme ça? Lorsqu'on a une personne capable, même plus qu'elle capable, dans notre village. Comment tu peux dire des choses pareilles? Igwe, non. Igwe, on ne croit plus en lui. Moi aussi, je pense qu'on doit inviter Ezorash. Ouais? Ok. Ok, ok. Toi, je veux que tu partes à Omananda. Dis à Ezorash que j'aimerais le voir. À vos ordres. Sa Majesté, s'il te plaît. Ok, ok. Ces jeunes hommes là-bas, cours plus que lui. Et tu lui dis retourner. Dis-lui que Igwe a changé son avis. Oui, Naï. Oui, Naï. Les hommes avaient parlé de 3. Mais nous, on avait pris 5. Et lui, c'est un fou. Ok. Attendons l'arrivée des Ezorash. On saura où est le problème. Oui, Sa Majesté. Mille. Igwe, accepte mes salutations. Tu es le bienvenu. Eh,
les orages. Igwe. Une fois de plus, sois le bienvenu. Ah oui, si je t'ai appelé, on a un sérieux problème dans notre village et on aimerait connaître la cause de tout ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on t'a appelé. J'ai discuté avec les doyens ici présents et on a décidé ensemble que tu es la seule personne qui peut nous aider. Ok? Tu peux apporter la solution à tous nos problèmes. Tu vois, il y a un serpent qui apparaît et tue les gens depuis que je suis sur cette chaise. Alors s'il te plaît, on a besoin de toi pour trouver une solution à ces problèmes. Je vois beaucoup de gens dans cette affaire. Que veux-tu dire? C'est une insulte? Oh, tu vois, laisse-le parler. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Écoute. On t'a invité ici pour trouver une solution à nos problèmes. Pas pour parler. Tu sais bien. L'homme choisi a été tué dans la forêt. Qui l'a vu tuer? La personne qui était partie avec lui dans la forêt. Tu dois savoir ce que tu dis. Personne sur cette terre ne peut m'interdire de parler. Et personne ne m'interrompt lorsque je parle. Surtout lorsque je suis en esprit. Igwe, la façon dont tu parles, il te manque du respect. Juno, tu dois contrôler ce que tu dis. Tu n'es pas intelligent, Zoba. Le tueur de l'homme choisi doit livrer sa tête. Oui, et vous le savez bien. C'est toi qui le sais. Ah c'est non. Toi qui dois donner ta tête. N'importe quoi. Qui a porté ce fou dans mon palais? Est-ce que vous l'avez envoyé? Non. Essayons de le croire. Essayons de lui donner une chance. Sa majesté. Tu dis qu'on essaie? As-tu compris ce qu'il a dit? Garde! Venez avec moi. On doit le croire. Parce que le serpent est partout. Tu sais, tu peux être la prochaine victime. Alors. Cette chanson m'est très familière. Mais de quelle chanson parles-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? I am a man.
Ichuru, tu vois, je me dirige vers toi. Hein? Je remercie Dieu de t'avoir vu. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse ensemble. Hein? De savoir ce qui s'était passé avec Obina. Oui, tout le monde a écouté Zorach. Il a bien dit ça devant Igwe. Sa tête doit être sacrifiée. C'est selon Ezorach pour que notre terre retrouve sa paix. Exactement. Exactement. C'est ce que nous devons faire. On ne peut pas laisser cette communauté être détruite par un serpent. On doit faire quelque chose. Makamou, tu connais côté Kamou, il est capable. On se voit demain matin. Demain matin, chez toi ou chez moi, on va parler. Bien. Je pense qu'on doit mettre fin à ça. Salut tout le monde de ma part. Je vais le faire. Je pense que tout va bien. Oui, prince. Bonsoir, mon prince. Bonsoir, jeune fille. Comment tu vas? Bien, mon prince. J'ai une question à te poser, jeune fille. Comment tu t'appelles? Je suis Uma, la fille d'un grand dignitaire du village de Makago. Oh, tu es en provenance de Umakago. Je pense que je connais ce village. Mais tu es la fille d'une grande personne, alors qu'est-ce que tu faisais là où je t'avais trouvé? C'est une longue histoire, mon prince. Vas-y, raconte-moi. Eh bien, le roi de mon village me forçait de l'épouser, mais j'ai refusé. Alors ces gars m'ont choisi parmi les vierges pour être sacrifiées. C'est la raison pour laquelle je suis venu me réfugier ici. Et même sur ta terre, certains se sont pris à ma vie. Ils ont tenté de me tuer. Tu as bien fait. Tu as sauvé ta peau. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens veulent forcer les autres les choix? Je ne sais pas pourquoi les gens de nos jours veulent forcer le mariage au moment où l'autre ne veut pas. J'ai rencontré ce problème aussi ici. Ok, c'est bon. Laisse-moi t'aider un peu. Garde. Tiens, comme ça. Laisse-moi t'aider. Non, mon prince, vous ne pouvez pas. Non, t'inquiète pas. Merci, mon prince. Je t'en prie. Ah, ça fait mal. Oh, désolé. Dans peu de jours, tu seras bien. Aïe. Y a-t-il une autre blessure? Oui, ici aussi. Si ces gens t'avaient tué, je ne sais pas si j'allais te voir. Mon prince. Tu sais quoi? J'aimerais te dire que tu es la bienvenue dans mon palais. Je prendrai bien soin de toi. Tout ce que tu auras besoin, je vais te les donner. Juste aie confiance en moi. Aie confiance en moi. C'est tout ce que je peux te demander. Et mes gardes seront à ton service. Ok? Garde, à partir d'aujourd'hui, tout ce que Ma voudra prendre dans ce palais, elle a mon autorisation. Bien entendu, prince. Merci, mon prince. Je t'en prie. Merci pour votre hospitalité. C'est bon. Que les dieux vous bénissent. Derrière, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Tu sais, il fait noir et il fait longtemps que nous sommes ici. Ok. Sois forte. Ça ira. Oh, c'est dur. Merci.
Laisse-moi te dire que tu as porté la joie dans ma vie. Je veux dire que tu es la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Pour ça, je te remercie beaucoup. Vous aussi, mon bon prince, vous représentez beaucoup pour moi. Vous avez fait de moi une nouvelle créature. Vous avez sauvé ma vie. Regardez-moi. Vous m'avez vraiment donné une nouvelle vie, mon prince. Les dieux continueront à te bénir. Et je promets de faire plus. De faire plus pour toi. À condition que tu me rendes un service. Moi donc, tout ce que vous voudrez, mon prince, je le ferai pour vous. J'aimerais plus que tu rentres dans ton village. J'aimerais que tu passes le reste de ta vie à mes côtés. S'il te plaît, sois ma femme. Je te promets de te rendre heureuse pour le reste de ta vie. S'il te plaît. Tu sais, depuis que tu es venu dans ma vie a complètement changé. Je ne suis plus le triste prince que tout le monde connaît. Je suis maintenant le prince rêve de ce village. Le souhait sans le désir. Viens ici. Je vais me rassurer de te rendre heureuse pour le reste de ta vie. Et ce palais sera une heureuse maison pour toi. Je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau de te revoir encore. Ouais, franchement, je suis heureux. Vraiment heureux. Je pense que tu l'es aussi. Qu'est-ce que tu cherches ici? Je suis là pour voir le roi. Igwe Obinna, le roi du royaume de Macabre. S'il te plaît. Permets-moi de discuter avec lui. Non! Va-t'en d'ici. Garde! S'il te plaît. Garde! Permets-la. C'est bon. C'est bon. Tu peux nous laisser. Toi, qu'est-ce que tu avais fait? S'il vous plaît, Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais que j'avais mal agi, vraiment. Je viens m'excuser auprès de vous. Mon amour, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Lève-toi. S'il te plaît. Mais... C'est bon. Tu es pardonné. Garde.